Alors, M. Kaba, bonjour. Donc là, nous allons commencer la marche. Nous allons penser que nous avons un petit mot. Est-ce que vous pouvez dire nous deux petits mots avant de parler? Juste pour dire comme ça que plus que jamais nous mobiliser, nous déterminer, parce que nous avons constaté que plus nous avons découvert véritablement eh bien, des injustices, nous avons découvert des problèmes de fonctionnement au niveau de la SAFER. Alors, nous avons réservé peut-être certaines informations et présentations des documents pour émission là que nous pouvons faire dimanche là. Mais en tout état de cause, nous avons dit comme ça que aujourd'hui, nous avons découvert véritablement, pendant qu'il a dit comme ça qu'il n'y a pas M. Moutoussami, 3 hectares pour qu'il travaille, eh bien, nous avons découvert que BNP Paribas vend 10 hectares pratiquement sur le toit là à Saint-François, eh bien, il n'a pas préempté M. Treff. Alors qu'il a été récupéré terrain là ça pour bas des agriculteurs, eh bien, il bat effectivement un businessman terrain là ça qui n'est pas agriculteur, qui n'est pas rien, et il n'a pas préempté à ce terrain là ça, alors que c'est là pour préempter 10 hectares terrain. Pour permettre l'installation effectivement d'une agriculture. Donc aujourd'hui, nous avons dénoncé véritablement ça, mais au-delà effectivement de ça, nous avons découvert effectivement des détournements de fonds. L'argent qui a été payé, bas amis, bas copains, coquins, et aujourd'hui, nous avons les documents qui sont très faits. Donc nous avons présenté ces documents-là ça dimanche, mais aujourd'hui, nous avons dit comme ça que c'est plus de 40 et quelques milliers d'euros de factures qui ont été payées bah, en prochain. Justement parce que, eh bien, faut effectivement eh bien, payer une amende à l'ONF. Donc, là, nous avons effectivement dénoncé ça et nous avons dit comme ça que nous, puisque jamais nous déterminer. Donc, nous venons savoir que la SAFER a continué effectivement à jouer au cinéma, qu'à transmettre, qu'à dire qu'il y a à disposition nous, mais en même temps qu'à envoyer des courriers, qu'à dire le contraire. Eh bien, là, nous avons dit comme ça qu'elle est pour s'arrêter. Jodla, et structure là, qui SAFER là, qui a fonctionné en toute illégalité, conformément au code rural et au statut que nous avons, eh bien, là, nous devons dire qu'il faut respecter le statut là, qu'il faut mettre là. Mais nous devons demander à l'État aussi pourquoi il n'a pas dit rien. Pourquoi l'État, là, soi-disant une structure de contrôle, eh bien, qui a accepté que le conseil régional, par exemple, eh bien, qui fait partie du conseil d'administration, là, alors qu'il n'a pas fait partie du conseil d'administration, là, qui dans le conseil départemental, qui n'a 5 représentants, alors qu'il doit être un seul représentant, qui dans véritablement eh bien, l'UPG, a dans la même situation, là, qui dans Verte Vallée aussi, qui l'a, eh bien, il y a tout à donné l'impression que son sort de petit groupuscule, là, mon. Qui a fait affaire à eux, qui a envie ranger, porter mon neveu à eux, eh bien, là, sans soucier eux, qu'il n'y a ni un code de loi et qu'il n'y a effectivement des règles à respecter. Alors, nous avons rappelé, effectivement, dimanche, il y a une grande émission avec M. Kiaba, à partir de 10h du matin. Nous sommes en live à Info Plocos TV, là où vous êtes actuellement. Et nous avons parlé surtout, effectivement, des dossiers de la région. Parce que c'est vrai que nous attendons que la région, c'est qui a occupé de pas mal d'habitants. Et en Guadeloupe, nous avons dit oui, mais la région. Donc, M. Kiaba a étudié les dossiers. Et dimanche, ils font une émission spécialement. C'est ça, bien sûr, nous avons parlé aussi de la SAFER. Nous avons parlé de plusieurs habitants qui autour de ça, mais c'est qui principalement sur la région. Bien ça? Tout à fait. Nous qui parlons principalement, c'est la région et la SAFER. Au-delà, effectivement, de faire des petits pics, les nous cafés, les nous démobilisation. Mais là, nous pouvons parler avec des documents, nous pouvons parler qui est en fonctionnement, effectivement, à M. Chalus au niveau de la région par rapport à la jeunesse, qui a dit souvent que la jeunesse n'est pas active. Et qui a dit souvent que la jeunesse là, effectivement, eh bien, il y a là qui a subi. Eh bien, aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons une jeunesse qui est effectivement en marche, mais qui est dégoûtée. Parce qu'il y a fait une misère et que là on voit des services à la région qui a fonctionné comme ces services-là, notamment au niveau effectivement à l'Europe. Eh bien, nous avons dit comme ça qu'il n'y a pas de moyen qu'il y ait un véritable développement économique. Et normalement, nous ne pouvons pas comprendre que c'est à la région ça qu'a fait. Donc par conséquent, nous avons effectivement parlé de ça, nous avons parlé véritablement des actions des bitins que nous avons reprocher et des bitins qui a fonctionné à dans l'illégalité aussi. Parce que là où nous avons présenté, nous avons parlé effectivement des dossiers que nous avons nés, eh bien, nous avons compris véritablement ça nous a parlé. Et au niveau de la TREF, eh bien, nous avons compris. Jodla, nous voulons effectivement que chaque monde prenne responsabilité à eux. Nous voulons que le préfet la ferme la SAFER. Tant que eh bien, la SAFER n'est pas rentrée dans les règles, nous voulons que le préfet la prenne une décision de fermer parce qu'elle a fonctionné en toute illégalité et que pas au conséquent. Si vous mettez des émissaires du gouvernement là, eh bien, il faut qu'ils jouent un rôle à eux. Et je dois nous signaler effectivement un certain nombre d'imperfections, un certain nombre de violations véritablement du code rural, notamment dans l'article 142i, 143 notamment. Eh bien, nous avons dit comme ça qu'il faut respecter ça et il faut qu'ils respectent nous. Je dois M. Treff a agi en vrai cowboy. Mais ça qui est plus grave là, c'est qu'il y a connaissance de cause. Parce qu'en 2016, il y a pas un rapport. Il y a dit comme ça que, eh bien, on a fait prix effectivement à terre, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça pour le monde. Donc, nous avons obligé à mettre un directeur pour permettre effectivement à ce que la SAFER fonctionne, eh bien, tu goûtes bien, eh bien, Treff pas fait rien. Et pour le monde, pas dit rien. Donc, qui monde qui bat, qui monde quoi, qui monde qui a effectivement
accepter que le monde a fonctionné comme ça, eh bien, nous ne savons pas. Nous voulons savoir. Et fait, nous savons. Bien merci, M. Kiyaba.